Est-ce qu'on vous parle encore, Ariel Dombal, de Mimi Sicu ? Oui, ça m'arrive beaucoup. Un Indien dans la ville qui repasse tous les ans sur TF1 ou France 2. C'est vrai, c'est un film culte avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit. Voilà. Vous avez pris du plaisir à faire ce film ? Ah oui, beaucoup, mais ils ont beaucoup insisté. Je ne voulais pas le faire. Ah, vous ne vouliez pas le faire ? Non, non, je vous dis que je suis quelqu'un de difficile. Je n'avais pas envie de faire de comédie. J'étais au théâtre, je faisais du Henry James, je faisais des choses extrêmement littéraires, poétiques. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire une comédie ? J'avais pas trop envie. Tout le monde m'a dit, mais oui, oui. Ariel ! Vas-y. Et c'est Thierry qui m'a convaincue. Ah, c'est Thierry Lhermitte. Oui, d'accord. Est-ce que ça vous a coupé les ailes derrière ou pas du tout ? Ah non, pas du tout. Le fait de faire une comédie, est-ce que vous avez été moins crédible sur autre chose ? Non, non, c'est-à-dire que comme toujours en France, il y a beaucoup de chapelles culturelles et beaucoup de territoires. Mais moi, comme je viens d'ailleurs, je parle trois langues, je suis quelqu'un de... J'ai beaucoup d'idiomes et beaucoup de langues et aussi beaucoup de manières de m'exprimer et dans des supports différents. Et pour moi, c'est un enrichissement. On vous proposerait le 2, vous iriez ? Oui, probablement, parce que c'était tellement mignon. Ouais. Oui, oui, oui. Votre meilleur souvenir sur le tournage ? Meilleur souvenir Oh, il y en a, on s'est vraiment beaucoup amusé. Je pense que c'était sur la Seine. On était sur un bateau pendant la nuit et donc très protégé. Et il n'y avait personne, il y avait des lumières incroyables et c'était superbe. Après, il y a des scènes de comédie où on s'amuse avec l'araignée. Elle était vraie, l'araignée ? Évidemment, c'était une araignée. Migale, hein, c'est ça ? C'est une migale. Et je peux vous dire que c'est des tropiques. Et elle était élevée par un éleveur qui avait mis des années à que l'araignée puisse être obéissante parce qu'elle devait faire plein de choses. Ouais. Et alors, moi, je la détestais. Mais en revanche, Mimi Sicu, le petit, lui, il l'avait complètement adoptée. Mais il l'avait eu un mois chez lui. Ouais. Et la migale allait sur son visage, ici, et tout ça. Elle était adoptée.